Si vous êtes tanné ou que vous ne voulez pas entendre ceci, abonnez-vous et en plus de ça, pèsez sur la cloche des notifications pour être sûr de ne rien manquer. Alors pour ça, je vous dis bon visionnement. Allo tout le monde, voici Champion MMZL. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série Je suis Mad. J'avoue que ça fait un petit bout que j'ai pas fait la série. Sachez que cette série sera remplace la série Upcode. Faut pas avoir trop de Minecraft tout dans le même mois quand même. Dans la dernière vidéo, on s'est promené pas mal dans l'océan. Puis je m'avais protégé juste pour éviter les mobs. Attention au temple sous-marin. Retournez au point d'origine -180. Ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va retourner au point d'origine pour pouvoir mettre les indications où que je suis parti, bien évidemment. Pour que un jour, si admettons je meurs, au moins je suis capable de m'orienter. Ça, c'est première des choses. Finalement, je le laisse là. Comme ça, si je viens ici un jour, au moins je pourrais voir qu'il y a de quoi. Au moins je pourrais savoir que je suis venu ici. Parce que nous allons quitter cet endroit. Aller dans la direction du bateau. Genre, que j'ai mis devant la carte, je pensais même plus pourquoi j'ai mis ça. Le bateau est ici. Temple du désert est tout droit. Ouais. Si je m'en souviens. Si vous voyez le message, naviguez en face jusqu'à la terre ferme. Bon. Nous allons quitter, on a vu des animaux ici. Nous allons quitter, puis retourner à -180. Faire attention au temple sous-marin parce qu'il va être sur notre trajectoire si je ne me trompe pas. Bon, il y a voici une île. Qui veut dire, nous sommes proches. Probablement. Pas probablement, nous sommes proches. Nous sommes bientôt à -180. Le temple sous-marin devrait pas être très très loin. Devrait être un peu plus par là, par contre. Où le temple est dans ce coin-là. Ah! Et non, il va plus loin. Il est à -200, -250. Voilà! Le temple sous-marin est juste... Juste, je sais pas trop où. Un peu plus par là. Peu importe. On se souvient dans la dernière vidéo que j'ai apparu dans l'eau complètement. Nous allons laisser un panneau ici. Nous allons laisser pas mal de panneaux tout au long de notre voyage. Je venais juste pour ça. Maintenant, allons de l'autre côté, puis allons voir le temple. Oui, le temple... du désert. Vraiment, tout le long du voyage, j'ai des indications pour que je puisse me retrouver. Bien évidemment. Parce que, à un moment donné, tout ce que je voudrais faire, c'est de revenir en arrière. Complètement. Et ouais. Bon, terre en vue! Probablement une île avec de creepers. Non, un creeper puis un skelette. Ok.
Là, faut aller au bout complètement, ou qui est pas juste des îles. Voilà le continent. Nous arrivons au continent. Nous allons faire la même chose. Nous allons faire une croix juste ici. Voilà. Nous allons bien évidemment reprendre le bateau. Parce que ça va être plus sécuritaire à être sur l'eau. Vu qu'il n'y a pas de mob. Du moins, pas pour l'instant. J'ai vraiment hâte à la prochaine mise à jour de la 1.13. Ça a l'air que la 1.13 et la 1.14 seront condensées en une mise à jour. Ce qui veut dire, c'est avec uniquement la 1.13. J'ai vu un peu que ça a l'air, la 1.13. Il va y avoir, mais ça, le temps était plus proche que ça. Là, il y a déjà en ce moment des tortues. Oui! Il y a présentement des tortues. Dans les nouveautés, puis le nouveau mob, le nouveau mob dans l'End, qui est déjà mis en place. Vraiment, ça va être une bonne mise à jour, je sens. Ça va être une bonne mise à jour. Donc, Creeper essaie de venir me voir pour me faire un petit câlin explosif qui ne fonctionnera pas parce que moi, je vais beaucoup trop vite pour lui. La croix au loin, parfait. Finalement, il est peut-être plus vers là-bas. Finalement. Où est le temple? C'est tout droit. C'est ça. Ce que je disais, j'avais atterri peut-être plus. J'avais arrivé plus par là-bas la dernière fois. C'est sûr qu'on va attendre le jour pour pouvoir aller sur la terre ferme et aller voir le temple. Parce que faut être logique quand même. On va changer l'indication. Sinon, c'est pas la bonne indication. On s'entend. Je suis parti tout droit. En laissant mon bateau. Non, je vais l'emmener quand même. Ça peut toujours être pratique. Là, nous allons partir tout droit, parce que le temps, on sait qu'il est là. Mais au moins, je vais savoir où qu'on est parti. Et voilà. Oh, des flèches, des eaux, yeah. Oh, des moutons. Ah, fuck. T'es où, toi? Il est probablement caché. Ah, il est là. Tiens. Ça manque pas grand, beaucoup. Parfait. Nous allons creuser, ici. Est-ce que tu l'as ou là? Je m'en suis plus. C'est où qu'il faut que je creuse? Oh, pas grave. C'est exactement là. Parfait. Voilà. On prend toute la TNT en même temps. Oh, de l'émeraude! Ça va être utile. L'affaire, c'est que je vais tout prendre pour là, mais faut que je pense que je suis nomade. Puis que je ne peux pas tout emmener. Une pomme dorée, c'est très bien. Oh! En plus! Oh, t'es pas sérieux! Ah, puis une troisième laisse, celle. J'ai pas besoin d'être autant, j'ai juste besoin de ça. Regardez qu'est-ce que je vais faire. J'ai jamais fait ça. Mais je vais le faire. Il me faudrait du fer par contre, j'ai de l'or mais j'ai pas de fer. Le fer, ça va être quand même important que j'aie ça. L'or, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est que je pourrais le faire mettre de même.
Puis une fois que j'ai des pommes, comme que j'ai là, j'en ai une. Pourquoi tu veux pas fonctionner? Pourquoi tu veux pas fonctionner? Ok. Une carotte ça fonctionne, t'as trop mal dire qu'une pomme ça fonctionne pas? Pas sérieux. Me semble le craft c'est ça, me semble. Me semble. Ce que ça c'est une pomme c'est ça. Moi j'ai toujours appris que c'était ça, une pomme dorée. Ou t'as trop mal dire faut le mettre en lingot. D'or. C'est ça, fuck. Parce que moi, j'en mangerai peut-être même une en ce moment, pas. Oh, ça m'énerve. C'est sûr, il faut que je trouve un cheval. Oui. Parce que nous allons se promener en cheval. Ça va aller plus vite. Bon. Parfait. J'ai du fer ici. Parce que ça va être très utile. J'ai d'autres charbons. Ça aussi, ça va être utile. J'attends de la lave. Je vais en prendre pour que ça vaille la peine quand même. Bon, le creeper a explosé, qui est parfait. Je prends le fer. Ça a l'air d'être une belle grotte quand même. De la lave juste ici. Et moi, des fois. Par contre, nous n'allons pas aller plus loin que là. Bravo! Je savais ce que p. Ce serait pas p par contre de laisser un coffre ici avec un bateau. Ce serait pas pire ça. C'est très bien qu'est-ce que je viens de faire. Très bien. Mon Dieu que ça faisait mon affaire. Avec ça, je vais me faire une table de craft. Pas le choix. Que je vais laisser ici. Parfait. Avec cette table, nous allons faire le bateau, bien évidemment. Puis nous allons quitter immédiatement, tout droit, pour aller chercher, bon, pour retrouver le monde de la stuff, bien évidemment. Bon, mais pendant ça, je fais un petit coupeur. Et je reviens. Bon, je suis revenu. Il me semble que j'ai tourné une droite, puis je fais des resets. Bizarre. Mais pas grave. Malheureusement, j'ai perdu du stuff. Malheureusement. Parce qu'on sait que là, ça prend tout. Même l'obsidienne, tout est pris. Parfait. La torche est où? J'ai perdu les torches. Ouais. J'ai perdu les torches. C'est pas plus grave que ça. Parce que ça se refait. J'ai perdu ma pioche en pierre. J'ai perdu quelques petites affaires. Pas plus grave que ça. C'est ça quand on fait pas attention. Imagine si j'aurais été en upgrade. Dans le deuxième, dès la deuxième vidéo, je serais déjà mort. Une chance que je pourrais upgrade. Une chance que je ne suis pas en upgrade. Une chance que j'ai. Correct ça. Ah, du slick. Un autre.
Exposé, hein? Merci. T'es plate? Je vais avoir du charbon, moi. Je veux que t'exploses pour que je mène pas du charbon. Ben non. Il veut que je le fasse moi-même. Ça va plus profond. J'ai goût de rester ici un peu, par contre. Honnêtement. Je pense que je vais rester un peu ici. Je vais rester ici. Pour visiter un peu. De toute façon, ça ne dérange pas si je meurs. Parce que je vais rester ici. Je vais dormir. Je vais me faire un lit. Ça va être mon campement ici, pour temporaire. Bon, pour les lits. Maintenant, c'est ceci et cela pour donner un lit blanc. Oh ouais. Plus comme avant. C'est tellement plus comme avant. Voilà. Comme ça, mon point de spawn a changé de place. Je vais prendre une pancarte qui est que j'ai pu. J'ai perdu les pancartes. D'accord. Pas plus grave que ça. Je vais faire des bâtons. Voilà, ok. J'en refais d'autres. Voilà. Ah, il y a de l'eau d'autres fois. Parfait. Je sais qu'il faut pas faire ça. Je le sais très bien. Bon, est-ce que j'ai du sable ou je l'ai perdu? Ça a l'air que je l'ai perdu le sable. Bon, je vais prendre ceci. Moi j'ai pas perdu ceci au moins. Voilà! Pourquoi qu'il faut pas miner comme ça? Une chance que je t'ai pas coincé. Une chance. J'arrive à la fin si j'aurais été coincé. Ah, il y a... la gravelle un peu partout. Autour. Bon, c'est correct là. T'as payé où l'épée ou je l'ai perdu? J'ai perdu l'épée aussi. Ah, ça va bien ça mon affaire. Faut que je refasse le nouvel équipement. L'épée. Je vais attendre par contre. J'ai tué mon faux, je l'ai perdu. Un autre affaire que j'ai perdu. J'ai perdu ou quoi? Ah non, je l'ai laissé là-bas. Ça c'est vrai, je l'ai laissé là-bas une fois. Il est pas perdu. Je l'ai pas emmené. Nous allons descendre. Pour aller récupérer du fer. Ça dérange pas, de toute façon je peux remonter facilement. Avec l'eau. Encore du fer, mais non, j'irai pas tout de suite parce que je vais le voir. On peut même sortir par là. Ah, intéressant. Très intéressant. Encore du fer. Va peut-être me faire une armure en fer. Je sais jamais. Il y a tellement de fer, c'est incroyable. Mais je m'en plaindrai pas pour l'instant. Bon, je m'en plains pas tout court. Parfait. Je vais pas me faire une armure en fer. Je vais me faire du fer. Une pioche en fer, une épée en fer. Pas trop de... Je vais peut-être utiliser l'or pour quelque chose aussi. Si je peux pas l'utiliser pour les pommes. On va faire un outil avec ceci. Peut-être une hache en or. On fait jamais d'outils en or. Parce que c'est moins résistant que le fer, bien évidemment. Je n'irai pas plus loin. Parce que ça ne tente pas d'aller au bout de tout le monde et me perdre et toute la quête.
Affronter les mobs. Je n'irai pas plus loin de ce côté-ci. Non plus. Alors, je retourne au campement. J'ai des choses à faire cuire. Au pire, je retournerai. On va retourner en haut. En remontant la source d'eau. En plus, j'ai d'autres fers là. C'est pas formidable. Regardez qu'est-ce que je vais faire. Voilà. Il n'y a pas de place pour faire ça. On se le crée, la place. Voilà. C'est pas formidable. Tout en sécurité. Sans blessure et sans loyal. Bien évidemment. Allez, ramasse mon... Allez, ramasse mon charbon. Merci. La tombe des creepers. La tombe des creepers. Pas pire, ça. Du coup, je prends le fer. Nous avons un bon jeu. Nous avons du fer. C'est parfait, je vais pouvoir me faire une épée en fer. Parce que c'est pour ça que j'ai recherché de fer. Peut-être attendre d'avoir 4 autres lingots d'or pour avoir une pomme. C'est peut-être finalement pas des pépites d'or, mais des lingots d'or. Ça coûte cher. Je vais gâcher, après ça, c'est les blocs d'or qui doivent pour un autre l'autre stade. Qui doit coûter encore beaucoup plus cher. Ici, je vais pouvoir me faire la nourriture, au moins, avec ça. Commencer à me faire les bottes. De toute façon, ça m'en prend 24. Pantalon. Là, faut que j'attende. Pour faire ceci. Ah, c'est vrai, j'ai pas d'internet. Ouais, je le désactive internet. Parce que ça me tentait. Et voilà, je suis équipé en fer. C'est pas formidable en deux? Encore? Voilà. Il n'a pas explosé par contre. Il y a donc bien des creepers dans ce coin-ci. On pourrait presque penser qu'il y a un spawner à creeper, mais c'est le coup, et mon dieu. Au secours! Vraiment, je dis au secours! C'est vraiment spawner à creeper, mais ça m'étonnerait par contre. Je vais éclairer un tout petit peu, question. Pour que les mobs spawn et ici. Bien évidemment. Une autre place. Petite cachette. Le fer. Dire que je suis mort à cause d'un creeper avec le upcurve. On m'a pas demandé de continuer à serrer upcurve, alors je l'abandonne complètement. Je sûr que je l'ai pas eu facile à serrer la partie encore. Que je reste à faire quelques petites choses encore là. C'est tout. De toute façon, je le contrôle. Je vais sortir par là. Et ça me mène jusque où? Ah. Jusque là. Alors, on va retourner à la base parce que la vidéo, ça va être terminé. Avec 40 minutes d'enregistrement. Mon dieu. Malgré que j'avais un petit bout que j'avais pas fait de cette série-là, ça faisait 2 mois, 2-3 mois que j'avais pas fait de cette série. On s'en entend. Je retourne à la source.
Ah, pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, le retour de la série Nomade. J'ai cru. Ouais, le retour de la série. Je suis bien content de continuer la série, honnêtement. J'avais vraiment hâte, j'ai eu quelques petits problèmes techniques au mois de janvier, février, qui sont réglés. On s'entend. Ah, pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter, ou encore aller visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aller sur mon site, sur mon Discord, dont tout le monde est le bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Je suis nomade, la série à laquelle je veux parcourir le monde de Minecraft pour essayer d'aller le plus loin possible. Tout simplement être nomade. C'est plutôt ce but-là. Même en mettant les coffres ici. Non. On va voir ça qu'est-ce que je vais faire avec les coffres, par contre. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite de Je suis nomade. Ah, pour ça, je vous dis merci à tous.